Et salut à tous et bienvenue dans De la Folie Zartrix. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre aventure sur Iconoclast. Et je suis désolé pour les épisodes de la semaine dernière, en fait je me suis trompé de micro à enregistrer. Du coup, ben il y a un son un peu bizarre du micro. Mais bon. Ça. Pourquoi je peux pas sauter dans l'eau? Ah putain, il fallait que je monte, ok d'accord. Attendez, attendez. Il faut que je me remette. Ouais, du coup, la semaine dernière, il y avait un son bizarre du micro. Et donc, on est arrivé dans l'endroit de glace. Donc, on va passer comme ça parce que je suis nul. Et donc là, on va appuyer là-dessus. Et donc, maintenant, on pourra avancer comme ça, d'accord. Non, bon, tant pis. Et il y a un truc pour sauvegarder. On aurait pu avancer un tout petit peu plus la dernière fois. Et on serait arrivé jusqu'ici. Donc, nouvelle zone. Non, faut pas appuyer, je pense. Ah si, ça va dans l'autre sens. Là, on le voit bien. Donc là, faut faire comme ça. Et donc là, on peut avancer normalement. Si je dis pas de bêtises. Voilà. Faut juste rester appuyé sur B en fait. Et donc on va retourner. Ah, c'était pas une zone en fait. Parce que là du coup on retourne ici. Mais ça c'est trop bien. Ça c'est vraiment trop bien. Regardez, j'aurais dû passer par l'eau normalement. Oh, là il y a un truc. Là il y a un truc. Ah, on revient là donc du coup. Comment on fait pour l'avoir ce truc? Là, il faut que j'active un bouton quelque part. Sûrement quelque part. Voilà. Et donc on revient là. C'est très bien. Nous voilà de retour. Je me sens mal en repensant à maman. Mais tant que je n'aurai pas retrouvé Samba, je ne ferai rien d'autre. Maman est devenue parano. Elle a peur qu'on se serve d'elle et qu'on la quitte. Et maintenant, je recommence à m'enfuir. Tu parles d'une fille. Bref, cherchons des indices ou un truc du genre pour découvrir où l'agent a pu s'enfuir. Je doute qu'il y ait encore des soldats ici. Ils ont dû être mobilisés par la disparition mystérieuse de notre ville. Je l'ai vu. Arrêtez de spammer dans les commentaires, je l'ai vu. Et voilà. Et maintenant, go! Et voilà, c'était là. Fallait aller vite parce que ça se. Il y a un certain temps. Très bien. Donc au moins on a eu le bouton. Très bien. J'aime pas laisser des trucs derrière moi. C'est pour ça que ici, il faudrait que je récupère cette clé. Non, je voulais pas rentrer dans l'église. Moi je sauvegarde à tous les points maintenant. C'est tellement dur par moment que je sauvegarde à tous les points. Je sais pas s'il y a encore. Ah donc la maison a été détruite. La maison de notre frère. C'est un peu de notre faute. Robin! Qu'est-ce que tu viens faire ici? Oublie donc. As-tu aperçu mon fils Pontus là où tu étais? Cela fait 8 heures que je n'ai pas vu et maintenant la nuit est tombée, il se remet à pleuvoir. Il ne faisait que parler d'aller rencontrer un homme de l'espace. Je sais que les petits garçons ont de l'imagination, mais cet inconnu commence à m'inquiéter. Je lui ai pourtant dit de ne pas courir après ce genre de choses, mais il est parti en jurant avoir rencontré un homme de la Lune et qu'il le prouvera. Je t'en supplie, Robin, retrouve mon petit garçon par pitié. Ah. Alors là, c'est pas cool. Alors là, c'est pas cool du tout. Très bien, donc. Un homme de l'espace. Est-ce qu'il serait pas là dans l'église? Ah non, il est plus là le mec de l'église. On va aller visiter un peu les maisons parce que ça se trouve, il y a quelque chose. J'y crois pas trop, mais on sait jamais. Là, il y a un. Lui, non? Ah oui, non, ça c'est juste pour les modifs. Ici. Ok. Je visite les maisons au cas où. Et toi, dans ta maison, il n'y a rien.
Plus rien dans ta maison. Très bien. Très très bien. Ok, donc c'est pas ici. C'est pas ici. Je pense qu'on aura un double saut au bout d'un moment pour accéder à des trucs qu'on peut pas accéder encore. Latitude 7,539. D'accord. Donc moi je vais continuer d'avancer parce que tout ça on l'a déjà vu. Longitude moins 5,547. Putain, on dirait l'agent. What the fuck? C'est quoi ça? De nouveaux ennemis? Ah, faut les taper pour qu'ils deviennent gentils. Bonjour. Faites travailler votre cerveau tant que vous êtes jeune. La médecine a beau maintenir notre corps en vie, bien plus longtemps qu'autrefois. À quoi bon si l'esprit ne suit pas? Je sais pas. Ok, donc c'est des fantômes, on peut pas les tuer, mais on peut les rendre plus gentils. On va continuer d'avancer parce qu'il y avait un mec devant nous là. Et là, on retourne chez nous au début. Donc on va rentrer. Hey, jolie maison. Tu habites toute seule dans une maison de cette taille. Ils ne vont pas te laisser faire ça toute ta vie, hein. Sérieux, j'aimerais trop avoir ma propre télévision. J'ai un peu honte de l'avouer, mais j'adore vos émissions. Tu as déjà vu la tour d'Ivoire? Ça montre une ville pleine de gens qui se croient intelligents mais qui inventent des bricoles vraiment inutiles. Enfin bref, j'espère que tu pourras rester ici. Alors, où est-ce que tu gardes les vilains trucs? Je te parle du matos de bricolage, espèce d'obsédé. Oh putain. C'est ici. Et qu'est-ce que tu veux de plus en fait? Donc il n'y a rien à faire de plus. Donc on... Y a des fantômes partout maintenant. Oh, y a... Ah oui, non, ça je sais. On savait ça. Calme-toi. Calme-toi. Mais on va pouvoir accéder à une nouvelle zone ici maintenant. Je sais pas si vous vous souvenez, mais... Alors tant qu'on n'attaque pas, il est plutôt gentil, le fantôme. Je crois qu'on va pouvoir accéder à une nouvelle zone ici. Si je me rappelle bien. Calme-toi. D'accord, donc faut le suivre, hein, apparemment. Cette femme en ville a dit que le garçon avait quelque chose. Est-ce que ce serait ça? Hop, donc maintenant on peut aller là. Eh, c'est chaud. Mais meurs! Oh merde. Attends. Moi, je veux juste m'agripper. Voilà, et maintenant on peut accéder là. Oh, une carte. Plan pour modif herbe. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On avance, on avance. Oh, le garçon, il est là. Vas-tu donc finir par me dire ce que tu es? J'arrête pas de te le dire. Je suis tout simplement l'un des gars les plus intelligents de cette planète. Bonjour, personne de la Lune. Quel prénom est-ce qu'il faut utiliser avec toi? Tais-toi, tu n'es pas une personne. Oh, on est en train de discuter gentiment. Détends-toi, ok? T'es bizarre comme extraterrestre. Ce n'est pas moi l'extraterrestre. Comment se fait-il que tu déambules à l'air libre? T'es taré? Es-tu humain? Oui, arrête de me le demander. Je n'en crois rien. Alors ne pose pas la question. Cela ne peut pas être la vérité. On va devoir le défoncer. Et qui? Ah merde. Robin, je pensais que tu avais explosé. Je peux me faire sortir de ce truc. Mais qu'est-ce que vous êtes? Ne vous approchez pas. Oh putain, putain. Ah merde! Mais de quoi? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse?
J'ai pas tout compris. Attendez. Ah oui, d'accord, ok. Ah, attendez, attendez, attendez. Oui. Comment je casse ça? Ah putain, d'accord, attendez. Oui, oui, d'accord. C'est un peu dur parce que il est chiant. Ah mais il peut pas me toucher. Ah mais la vache! Sérieux? Ça fait mal? Faut le faire plus intelligemment. Ah d'accord, ça enlève des points de vie quand je tape. Mais aïe, putain, mais cache-toi. Ouais, il est un peu con. Ok, maintenant, il faut que je tape ailleurs. Vite. Là, ça va être dur. Aïe, non! Ok, j'ai compris. C'est bon. Bon, il est heureusement, il est un peu con. Oh. C'est de la patience. Là, je suis là. Mais non, mais remonte pas. Viens. Non, non. Ok. Plus que l'autre côté maintenant. J'ai compris, c'est bon, j'ai compris. Aïe, putain, mais il tire vachement vite là. Vite! Ouf. Non! Yes, c'est bon. Ouh, c'est chaud. Arrêtez ça, qu'allez-vous faire de toute façon? Ah, qu'est-ce donc? Je vais tous vous congeler, bande d'abominations. Ya! Ah mince. Ah, pas l'air, non, je meurs. Il faut que je rentre à la tour. Oh, c'était juste un mec comme ça. Pontus, qui était cet homme? Je t'ai pourtant dit de ne pas venir me chercher à l'extérieur, je pourrais. C'est toi, Tournesolette? J'étais persuadé que tout le monde était mort. Pourquoi est-ce que je suis retourné à la maison?
Ta nièce et... Elles ne sont plus là, Robin. Je suis désolé. Je suis content que tu sois encore en vie, Robin. Désolé, c'était sacrément difficile de... Oh. Bonjour. Cette femme est avec toi, Tournesolette? On est venu sauver quelqu'un. Tu ne lui fais pas courir des risques, j'espère. Ah, on se débrouille bien, ça va aller. Bon, sinon, pourquoi vous vous sautez dans les bras comme ça? Je suis le frère de Robin. Ramenons Pontus à sa mère, d'accord? Bon, sachant que tout ce qui nous est arrivé à Robin et moi, tu comprends bien que je dois l'emmener pour qu'elle se couche, cache avec moi, pardon. T'es pas bien de la traiter comme un bébé, mon gars. Tu sais ce qu'elle a vécu, son père vient de mourir. Mais arrête d'en faire des caisses, tu ne la connais pas. Tu m'as dit qu'elle est allée te dépanner et que vous aviez été arrêté. C'est un motif suffisant pour y passer ici, non? Les agents appliquent ces préceptes, mais cet agent ne vous me voulait moi. Robin est au courant? La dernière chose dont elle a besoin est d'entendre ou voir des choses qui l'agitent. Elle a besoin de calme. Si j'étais elle, je pense que je me sentirais pleinement responsable. C'est pas tes affaires. Robin a tendance à surréagir aux mauvais événements. J'en sais quelque chose, elle évitera d'en entendre parler. D'ailleurs, elle ne dit pratiquement plus rien. C'est pas mes affaires, mais tu me parles de toutes ces affaires à elle. Et toi, qu'est-ce que tu as foutu dans toute cette histoire? Salut Tournesolette, Pontus c'est chez lui, hein? Je traînais souvent dans Rocheterre, scrutant le soir les vestiges de mon ancienne maison. J'ai trouvé ma vieille épée d'autrefois, mais elle est cassée. Pontus m'a aperçu une fois et s'est mis à me poursuivre. Il voulait me parler d'Ella. Elle et Pontus étaient de bons amis, et je suis sûr qu'elle lui manquait à lui aussi. J'ai l'impression qu'il a trouvé quelqu'un d'autre à suivre ce soir. Mais si j'ignore qui, on aurait dit une armure du QG du projet, pilotée par un imbécile. Qu'est-ce que vous fichez ici? Si Robin a réussi à rejoindre ta ville, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas resté là? Elle et moi, on va en finir avec cette fuyarde d'agent qui s'échappait avec un otage. Je ne peux pas fermer les yeux sur ça. Robin, tu ferais mieux de rester à l'abri pour le moment. Non, je dois aider. Ouais. Je ne veux pas qu'il arrive du mal à un autre membre de la famille, Tournesolette. Je refuse de t'aider à faire quelque chose qui te causera certainement du mal. Contente-toi de rester avec moi, on trouvera un endroit où se cacher demain, d'accord? Tu ne crois pas du tout en elle, hein? Je crois pleinement en toi, Robin, mais tu es parfois trop gentille. La vertu ne te rend pas invincible. Quant à toi, Mina, tu devrais apprendre à connaître tes limites. Merci, professeur. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder, parce que je vais mourir sinon. Pas d'ennemis, pas d'ennemis, pas d'ennemis, pas d'ennemis, pas d'ennemis. Voilà. Il est un peu compliqué ce boss, hein. Un peu beaucoup même. Du coup, on va retourner là parce que faut peut-être lui parler à lui en fait. Ne t'expose pas inutilement au danger. Si le peuple de Mina est accueillant, c'est là qu'il faut aller. C'est-à-dire? Il faut que je retourne. Non, non. Faut pas que je retourne à la ville. Là, faut que j'aille au QG, là. Faut que j'aille défoncer tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a toujours rien. On va peut-être aller voir la mer. Je sais pas, hein, j'essaie de trouver des trucs. Je découvre le jeu. Hein. Alors. Merci de m'avoir ramené Pontus. Tu devrais toutefois te rendre. Tu étais destiné à la pénitence. Allez, c'est une salope. La question de dire à maman quel Ro est toujours vivant, elle le dénoncerait, je déteste ma mère. Ah ouais, je l'aime pas beaucoup non plus. Elle est un peu con. On va aller vers la droite alors. Je sais pas, je vais essayer de déclencher quelque chose. Si je vais par là, est-ce que ça déclenche quelque chose? Non. Bon, bah, on va aller à gauche alors. Je sais pas. J'essaie de voir si ça déclenche quelque chose quelque part. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas. Ça fait quelque chose d'être ici en fait? Non, ça fait rien. Hein. Et là, je peux pas y aller.
Ma foi. Et si je vais là, ça fait quoi? Y a toujours les gros tarés là. Si je vais en dessous, y a rien en dessous. Non, il y a toujours les trucs qu'on a déjà fait. Je sais pas, on va essayer de. Monte. On va essayer de, je sais pas, d'aller quelque part pour voir. Je l'ai pas vu. Casse-toi. Y a rien. Mais. Tellement relou. Il y a plein de trucs ici, mais je les ai déjà fait. Donc, YOLO! Ça, tout ça, je l'ai déjà fait. Tout ça, je l'ai déjà fait. Ah, mais il y a un truc ici. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah d'accord. J'essaie de trouver des endroits secrets. Si je retourne dans ma maison, y a rien. Attendez, il peut pas y avoir que ça. Non mais il faut que je continue. Ce passage secret est très chiant. Vas-y, viens. Ouais, casse-toi. On va retourner. Mais casse-toi. Mais putain, mais lâchez-moi. Merci la vie. Hop là. Donc on est là où on était tout à l'heure. Casse-toi. Voilà. Laissez-moi monter. J'ai pas besoin de vous tuer. Vous êtes gentil. Et là-dedans, il y a quoi? Ah oui, c'est là où il y avait le. C'est là où il y avait le mec qui était caché. Mais on peut continuer maintenant. Voilà. Je sais pas jusqu'où on va, mais on y va. Là, il faut une clé. Ok. Ouh, c'est plus facile pour remonter. Et c'est bien plus classe. Donc, il me faut une clé. Au moins, on a un objectif. Si je redescends là-dedans. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a que dalle. Nib. Il y a un lit. Qui peut me soigner. Ici, je suis bloqué. Ah, il y a un truc là. Il y a un truc. Il y a un truc là. Ouais, c'est forcément là. C'est forcément là. Il y a un truc ici. Non mais t'en vas pas la bombe.
Ok, bon, bah, on va s'arrêter là. Je vais essayer de trouver. Et puis, dès que je trouve, je lance le prochain épisode. Du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. À partager la vidéo si elle vous a vraiment plu. Et à vous abonner pour rejoindre avec moi le monde de la folie et suivre la suite de ce Let's Play. C'est Dartrix. Bisous tout le monde!